Prospect. Alors qu'est-ce que ça veut dire un sentiment de survie? Comme je t'ai expliqué dans le premier épisode de la série la semaine dernière, toujours, les sentiments de survie qui nous animent chaque jour en tant qu'être humain, ils sont très primitifs. Ils consistent à être en sécurité, à être en bonne santé, à être heureux, à être fort. Ouais, voilà, ce sont vraiment des besoins très primitifs, primitifs. Dans le cas de ton prospect, le sentiment de survie qu'il faut à tout prix toucher, ça pourrait être par exemple le fait de préserver ses ressources financières ou de gagner du temps ou d'établir des liens sociaux, ou de devenir prestigieux, ou encore de gagner de l'argent, etc., etc. Ça, ce sont des besoins qui vont, dé... qui... qui vont déclencher un sentiment de survie auprès de ton prospect. Alors, je vais, je vais t'expliquer un peu plus de quoi il s'agit. Donc dans le cas de devenir prestigieux, par exemple, on peut prendre l'exemple de la marque, euh, la marque Rolex, la... la marque de montres, les montres de luxe. Donc on est bien d'accord à première vue que on est d'accord pour dire que posséder une Rolex à 50 000 euros ne va pas t'aider à survivre. Eh bien en fait ça dépend de l'importance de, de ce besoin de prestige à tes yeux ou à ceux de tes prospects. Avoir une montre de luxe peut donner une impression d'opulence et de faire euh, et de ce fait attirer des partenaires d'influence qui évoluent dans la, dans la même sphère que toi et d'éloigner en même temps les adversaires ou les personnes qui pourraient se révéler néfastes à ta quête finale. On peut faire le parallèle avec le rugissement du lion par exemple dans le monde animal. Si le fait d'avoir la possibilité de rugir, et donc une, une voix grave, si on peut parler de voix, euh, ne permet pas au lion à première vue de se nourrir et donc de vivre et de survivre, il lui permet par contre de survivre en éloignant ses ennemis. Et bien dans le cas des marques de luxe, ce qu'elle propose, ces marques, c'est une identité sociale associée au pouvoir, au prestige et au raffinement. Dans le cas d'un sentiment de survie qui consiste à gagner de l'argent, pour prendre un autre exemple, en fait, il s'agit de gagner la confiance de ton prospect en lui indiquant clairement que tu peux l'aider. Dans le cadre d'un prospect en B2B, toujours en prenant un exemple, ta proposition de valeur consistera à lui indiquer que tu peux résoudre le problème de son entreprise en améliorant sa productivité ou son chiffre d'affaires ou encore en l'aidant à réduire ses dépenses. Et ça correspond parfaitement aux besoins de survie d'une entreprise que de savoir comment gagner plus tout en dépensant moins. Donc il faut bien garder à l'esprit que ton prospect veut savoir où tu veux l'emmener. Si tu n'identifies pas son souhait précisément dès le départ et que tu ne lui démontres pas que tu as bien compris son objectif, il y a peu de chances pour toi bah, qu'il écoute ce que tu as à lui dire au final. Je vais prendre un exemple de Donald Miller qui illustre très bien ce principe. C'est d'imaginer que tu sois en train de faire de l'autostop. Puis au bout d'un moment, de quelques minutes, il y a une voiture qui s'arrête près de toi et à ce moment-là, toi, tu n'as qu'une seule chose en tête. C'est que le conducteur te pose la question de savoir où tu vas. Mais si, au lieu de ça, au moment où le la voiture s'arrête, quand la vitre s'abaisse, au lieu de te demander où tu vas, si le conducteur qui conduit, enfin la personne qui conduit, commence à te raconter qu'il a acheté sa voiture il y a deux ans, qu'il en est très content. Et que le coffre est très grand et qui permet de partir en voyage avec deux ou trois grosses valises sans problème, bah, il y a de fortes chances pour qu'inconsciemment tu te dises que c'est peut-être pas la bonne voiture qui s'est arrêtée et que tu te demandes s'il va vraiment pouvoir t'emmener où tu vas aller maintenant tout en occultant les informations qu'il vient de te donner et dont tu te fiches royalement. Pourquoi bah, Tout simplement parce que le conducteur n'a pas cerné ton besoin, ton désir immédiatement et il s'est concentré sur des choses qui lui sont propres à lui. Et bien pour toi, c'est pareil. En valorisant ta marque, le but, c'est que chaque prospect sache exactement où tu veux l'emmener et ce que tu peux l'aider à accomplir. C'est comme ça que tu vas capter sa confiance et son attention.